Lové au pied des dentelles de Montmirail, Giganda est un lieu d'habitat historiquement stratégique et ses voies de communication naturelles mènent à la vallée du Rhône, à la mer, puis au monde. Sous le bas empire romain, la Villa Iucunditas voit la viticulture prospérer. À l'époque médiévale, le village se dote de remparts et d'un château. Les vignerons de Giganda y font aujourd'hui vivre l'histoire, la culture et la culture du vin. Avec les abbayes de Prébaillon et de Saint-André, la tour Sarrazine, la chapelle de Saint-Côme et l'église Sainte-Catherine, Giganda est riche d'un important patrimoine architectural. La qualité de ses vins n'a jamais cessé d'être reconnue internationalement, jusqu'à devenir un cru en 1971. Ici, 1500 hectares de bois entourent 1200 hectares de vignes, générant une exceptionnelle biodiversité. Le plus grand conservatoire du monde pour le cépage grenache a été planté par les vignerons de Giganda, dont la profondeur de savoir-faire explore sans cesse le potentiel de ce terroir exceptionnel. À l'emplacement du massif des dentelles de Montmirail existait autrefois un vaste bassin sédimentaire occupé par un océan qui a fonctionné pendant toute la durée de l'ère secondaire, entre moins 230 et moins 65 millions d'années. Les premiers sédiments sont des calcaires, du gypse et du sel, déposés dans un contexte de grande aridité. La suite est constituée, sous un climat devenu tropical humide, par des alternances de marnes et de calcaires. Leur épaisseur totale atteint 8 km. La plus importante couche calcaire est celle du Jurassique supérieur, qui va former bien plus tard les dentelles de Montmirail. Au début du tertiaire se produisent des événements tectoniques de très grande portée. La faille de Nîmes, qui est la plus importante de tout le sud de la France, devient très active et cisaille la totalité des 8 km accumulés précédemment. Le gypse et le sel, devenus fluides sous l'effet de la pression exercée par les marnes et les calcaires, remontent sur le trajet de la faille et provoquent d'intenses déformations. Les calcaires du Jurassique supérieur sont redressés à la verticale. C'est ainsi que naissent les fameuses dentelles de Montmirail. Une fois le massif mis en place, une mer de la fin du tertiaire occupe la vallée du Rhône, ce qui favorise le dépôt de sable connu en Provence sous le nom de safre. Enfin, au cours du Quaternaire, les alternances de périodes glaciaires et chaudes favorisent le transport de puissants éboulis depuis le massif jusque dans la plaine, où il constitue un cône de déjection très vaste connu sous le nom de cône de la fonte des papes. Vers le milieu de l'ère tertiaire, il y a 30 à 35 millions d'années par rapport à l'actuel, notre région était recouverte par de très grands lacs qui étaient alimentés en cailloutis, en sable et en argile, par des reliefs, le mont Ventoux en particulier, et le tout début de ce qui allait devenir le massif des dentelles, mais sans que les dentelles elles-mêmes ne soient encore présentes. Ces lacs ont donc archivé des sédiments grossiers ou fins, que l'on retrouve à la périphérie aujourd'hui du massif des Dentelles, et ici à Gigandas, dans ce quartier de Longuetoc, où les vignerons ont investi des superficies assez conséquentes dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Alors ces matériaux, les voici, plus ou moins vivement colorés. Ici, des matériaux fins, argileux, argilo-sableux, qui vont fournir à la vigne une charge en éléments minéraux absolument essentiels à sa croissance et à l'élaboration de la palette aromatique qui va caractériser les vins. Mieux que personne, les vignerons, Benjamin ici présent, va pouvoir vous parler du potentiel terroir de ces espaces qui sont situés sur ces matériaux qui datent du cœur du tertiaire. Alors vous voyez Georges, les versants de ces vallons et de ces collines sont constitués par de toutes petites parcelles qui permettent aux vignerons de Gigandas de réaliser des petites cuvées, des cuvées très spécifiques qui permettent de révéler tout le potentiel de ces mains de l'Oligocène. Le Grenache, bien sûr, est un cépage parfaitement adapté à ce type de sol, mais la Syrah et le Mourvèdre donnent également des résultats intéressants. Ces petites parcelles, elles sont nichées, elles sont très abritées dans le massif, et elles sont exposées plutôt ouest-sud-ouest, au milieu de cette mosaïque de microclimats. Les vins ont un profil tannique plutôt riche et puissant, mais toujours nuancé par la fraîcheur et l'équilibre, ce qui en fait traduit directement la richesse des argiles, mais également toute la minéralité du calcaire. Donc, l'écosystème forestier dans lequel se trouvent les parcelles dont nous venons de parler est caractérisé par une flore qui couvre
la majorité des versants et des collines de Gigondas. Genêt à tige de jonc, c'est une espèce très très commune et qui croît sur les talus des bordures de vignes. Ce chêne blanc est beaucoup plus fréquent sur les versants nord, nord-ouest et ouest du massif. En revanche, il est beaucoup plus rare sur les versants très abrités, c'est-à-dire ceux qui regardent le sud et le sud-est. Enfin, le pin d'Alep, Pinus alepensis, un pin calcicole, c'est-à-dire qui aime les terrains calcaires, extraordinairement abondant à l'intérieur de tout le massif des dentelles.